The Rocks Market est un marché riverain animé en plein air qui a lieu chaque week-end avec étals d'artisanat et cuisine de rue de la région. Cela génère évidemment énormément de curieux puisqu'il est situé à deux pas de Circular Quay, le centre-ville. Ça c'est alors du crocodile. Du crocodile, ça voudra ? Non. Donc on dirait du poulet, c'est ça ? Harbour Bridge est un pont en arc métallique construit entre 1923 et 1932. Il permet le passage des trains, des automobiles et des piétons entre le quartier des affaires et la rive nord de la baie. Il s'élève à 134 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le pont le plus large au monde de 48,80 mètres. Les Blue Mountains sont une chaîne de montagnes située dans la périphérie ouest de la région de Grand Sydney. Le nom des Blue Mountains, ou montagnes bleues, est dû à la brume bleue qui s'étend entre les montagnes. Nous voyons ici la formation rocheuse de grès des Trois Sœurs, l'une des attractions les plus connues de la région. L'aquarium Sea Life de Sydney est un aquarium public qui présente une grande variété de vie aquatique australienne, présentant plus de 700 espèces, comprenant plus de 13 000 poissons et autres créatures marines et aquatiques de la plupart des habitats aquatiques d'Australie.